Donc Amorce, c'est l'association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la transition énergétique et l'économie circulaire. Nous représentons la plupart des collectivités territoriales impliquées dans les politiques énergétiques territoriales, que ce soit en matière de développement des énergies renouvelables, de maîtrise de l'énergie, de rénovation énergétique ou encore de distribution d'énergie. Notre mission est double. D'une part, nous accompagnons les élus locaux et les décideurs dans leurs projets, sur le plan économique, sur le plan fiscal, sur le plan technique, sur le plan environnemental. Puis d'autre part, nous représentons les collectivités territoriales dans l'ensemble des débats nationaux mais aussi européens, par exemple lors de l'élaboration d'une loi comme la loi Grenelle ou la loi de transition énergétique. Nous sommes en particulier à l'origine d'un certain nombre de mesures qui ont permis de développer les politiques énergétiques territoriales comme la TVA réduite sur les réseaux de chaleur ou l'éligibilité des collectivités au certificat d'économie d'énergie. Le service public de la performance énergétique de l'habitat a été créé en 2013 et renforcé par la loi de transition énergétique qui a consolidé le rôle des plateformes territoriales de la rénovation énergétique dans la mise en œuvre de ce service public. Nécessairement, ça pose des questions de modèle économique et juridique pour la mise en œuvre de ce service public. Amorce travaille activement sur ces deux sujets. On renseigne par exemple nos adhérents sur les évolutions induites par le fait de mettre en œuvre un service public. Faut-il le gérer en interne, l'externaliser, et si oui, par quelle procédure? Sur les modèles économiques, Amorce a analysé le fonctionnement d'une trentaine de plateformes et on remarque qu'entre 50 et 70% du budget de l'activité de ces plateformes est consacré à l'accompagnement des particuliers. Nous, on va conseiller nos adhérents pour essayer de mettre en place un accompagnement optimal pour massifier le nombre de rénovations énergétiques sur le territoire dans le respect et les contraintes budgétaires de l'État et des collectivités territoriales. Le nouveau président de la République s'est donné comme objectif d'éradiquer les passoires thermiques d'ici la fin de son mandat. C'est un défi monumental. Aujourd'hui, près d'une personne sur cinq en France souffre de précarité énergétique. L'objectif aujourd'hui, c'est de massifier cette rénovation chez les plus pauvres. Or, les quatre obstacles auxquels on doit faire face, c'est d'une part l'identification de ces foyers modestes chez qui il va falloir faire des diagnostics. Le deuxième objectif, c'est effectivement de généraliser des diagnostics de performance énergétique pour nous assurer qu'on peut intervenir en termes de rénovation. Le troisième défi, c'est d'assurer une coordination des aides qui va permettre de limiter le niveau de financement apporté par ce ménage. Et enfin, et c'est presque le plus important, c'est de faire baisser les coûts. On ne peut pas espérer généraliser la rénovation énergétique chez les plus pauvres avec des coûts de 20 à 30 000 euros, quitte à ce que l'on baisse un tout petit peu le niveau de performance attendu. L'objectif, c'est bien la division par 3 ou par 4 de la consommation d'énergie d'un logement et non pas systématiquement d'espérer faire un bâtiment à énergie positive. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé, en particulier au Premier ministre, la mise en œuvre de plans territoriaux de lutte contre la précarité énergétique, portés par les élus locaux, portés par l'intercommunalité et les départements. Et bien entendu, les plateformes territoriales de la rénovation énergétique doivent être le support, doivent être le vecteur de ces plans territoriaux portés par les élus locaux.